Jonathan Lejar, un festival de votre part ce dimanche, 3 buts. On a ici d'ailleurs le ballon du match, signé par tous les joueurs. Je vous le remets de manière officielle. Quelle prestation de votre part, c'était énorme. Ouais, après, c'est comme je dis, déjà, je pense que ma prestation a été mieux la semaine passée. Parce que, bon, j'ai pas marqué, mais au niveau du contenu, je pense que j'étais meilleur. Enfin, le match passé, je pense que j'ai fait vraiment un gros match ici. Bon, je marque 3 goals, mais c'est un match quand même plus facile aussi. Mais voilà, comme je dis, quand je suis bien en jambes, aux entraînements, et que j'ai pas de coup d'arrêt, et que je peux enchaîner les minutes dans les matchs et enchaîner les semaines d'entraînement. Après, c'est une série qui me fait pas peur, et je sais que je peux apporter beaucoup ici. Vous parlez d'un match facile. En fait, vous voulez être rendu facile, parce que c'est grâce à votre réalisme que finalement ce match a été facile. Oui, après, c'est vrai que c'est quand même une équipe qui a quand même 10 points. Donc, et c'est une équipe, quand on voit le 1-0 qui vient très vite, mais après, entre le 1-0 et le 2-0, on a eu, je pense, des moments où ils auraient peut-être pu revenir dans la rencontre. Et s'ils font peut-être 1-1, c'est peut-être un match différent. Et puis on met le 2-0 et puis le 3-0. Donc là, je pense que c'était fini pour eux. Mais à 1-0, pendant 20 minutes, on n'a quand même pas été à l'aise. Et c'est sur ces points-là qu'on doit travailler. Je trouve qu'on recule un peu trop et on leur donne trop le ballon. Et ils font un peu ce qu'ils veulent avec le ballon. Et je pense que ça, dans les prochains matchs, on doit essayer d'arrêter. Et donc vous, 3 buts, la dernière fois que vous aviez inscrit 3 buts, vous vous rappelez ? J'ai jamais mis 3 goals. Jamais doublé, mais jamais triplé. Donc, c'est votre CV pourtant. Ouais. Ouais, mais je suis pas buteur non plus à la base. Donc, je jouais toujours sur les côtés, jamais comme attaquant. Et bon, le maximum que j'ai mis, je pense que c'est 13-14 goals sur une saison avec la Coupe d'Europe et la Coupe de Belgique. Donc, je suis pas un vrai attaquant. Mais c'est vrai qu'ici, je joue devant. Donc, c'est peut-être un peu plus facile de se créer des occasions. Et aujourd'hui, ça m'a souri parce que j'ai marqué 3 goals. En tout cas, vu votre forme, que ce soit au Framborin ou ici, face à l'Olivier Centre, on peut peut-être dire que la trêve tombe au mauvais moment. Ouais, maintenant, c'est comme je dis, je pense que le principal, c'est d'abord de prendre les 3 points la semaine prochaine. Un adversaire aussi qui a notre portée. Enfin, je pense que dans cette série, tous les adversaires, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Mais on ne doit absolument pas gâcher les 4 sur 6 qu'on vient de faire. Et on doit prendre les 3 points presque obligé pour après la trêve pouvoir se reconcentrer pour entamer le deuxième tour de bonne manière. Essayer d'aller chercher le top 4. Ouais, après on a les ambitions, mais quand on voit un peu le championnat et quand on voit un peu les équipes, allez, maintenant c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de bêtes points, je pense, mais malgré les matchs qu'on avait en main et qu'on n'a pas su prendre les points, on aurait dû être déjà au moins dans les 5 premières places. Mais voilà, c'est une série difficile quand on voit des équipes comme Dessel. Par exemple, tu vois jouer Dessel, tu te dis que c'est peut-être 2 fois moins fort que nous.
Et au final, ils sont peut-être avec 7 ou 8 points d'avance sur nous. Donc, c'est une série, je pense, super compliquée. Et je pense que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Merci, Jonas. Et on espère vous remettre d'autres ballons en conférence de presse après les rencontres. Merci beaucoup.